Nous allons donc démarrer la séance de ce matin que je vais mener avec Madame Oded Boucha Maoui. Je suis donc professeure Fatou Sousa, sociologue, directrice de l'Institut du genre et de la famille, après avoir créé le laboratoire genre de l'IFAM. Donc, je vais, après cette brève présentation, passer la parole à Madame Oded Bouchami. Mais auparavant, c'est juste pour rappeler que nous sommes réunis ce matin pour examiner la thématique des femmes dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques face à la COVID-19. Donc, c'est le genre et riposte contre la COVID qui nous intéresse plus précisément. Face à cette pandémie, les femmes ont été les plus grandes victimes, en tout cas, ont eu le choc qu'elles ont reçu le plus rudement possible. Mais malgré cela, il y a eu quand même toute une série d'études qui ont été menées. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de savoir qu'il y a eu de fortes résiliences, à la fois du côté des populations, mais aussi des autorités publiques qui se sont organisées pour cela. Donc, chercheurs, autorités publiques, société civile, ONG ont tous mené des activités par rapport à cette riposte. Et cet atelier nous permettra d'en avoir un peu la connaissance. Donc, Madame Oded Bouchamani, je vous donne la parole pour vous présenter. Merci, chère Madame Fatou Sow. Je suis très heureuse et très, très contente d'être parmi vous aujourd'hui, ce troisième forum Galien Afrique et cette thématique pour les forums des femmes leaders. Je me présente, je suis Oded Bouchamaoui, je suis chef d'entreprise, j'étais présidente du patronat tunisien et je suis lauréate du prix Nobel de la paix 2015. Donc, toutes les deux, on va essayer de mener à bien cette thématique et donner, écouter les uns et les autres pour parler un petit peu donc, du rôle des femmes et la riposte contre la COVID-19. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, nous allons avoir comme panéliste Madame Salimata Diop Dieng, qui est ministre de la Femme, de la Famille, du Genre, qui est, je crois, une des rares scientifiques femmes à occuper ce poste. Elle est d'abord une scientifique après avoir été ingénieure électronique. Elle l'est, a travaillé à la Sénélec, mais là, on pied dans le monde social depuis fort longtemps. Pour avoir organisé la structure dans laquelle elle était, pour avoir été membre de Femmes Africa Solidarité, que tout le monde connaît, phase qui travaille sur le plan international. Donc aujourd'hui, elle dirige le ministère du genre et elle aura l'occasion de nous parler de ce qu'elles font par rapport à cette COVID, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons Madame, Monsieur Robert Guéhi, qui est coordinateur chef du sous-bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de la FAO au Sénégal. Il est de nationalité ivoirienne, c'est aussi un ingénieur. Donc, lui aussi a occupé de nombreux postes en Côte d'Ivoire et dans 34 pays africains, il a fonctionné. Donc, je crois qu'en tant que fonctionnaire et expert dans le domaine de l'alimentaire, il aura aussi une expérience importante à nous rapporter. Monsieur Abdou Salam Fall, bien que je n'ai pas son CV ici avec nous, n'est pas à présenter. Le professeur Salam Fall est un sociologue de grande renommée ici au Sénégal. Il dirige l'école doctorale de l'Université Cheikh Anta Diop. Il a mis en place le LARTES, qui est un laboratoire qui travaille sur les transformations sociales. Et donc, il aura, je pense, aussi à nous donner le résultat des recherches qui ont été faites dans son laboratoire. Je n'ai pas le voilà, j'ai aussi Madame Gaunga. Malheureusement, je n'ai pas reçu son CV, sa biographie. Elle m'en excusera, mais je crois que quand elle prendra la parole, elle nous donnera un mot de ce qu'elle fait. Voilà, donc je donnerai la parole à Madame Bouchamaki. Oui, d'accord. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer notre panel et j'aimerais bien poser une question à Madame la ministre, Madame Dieng. Votre programme Famille Genre vise à renforcer l'intégration du genre dans les politiques publiques.
à lutter contre les violences basées sur le genre et à améliorer le bien-être des groupes vulnérables à travers la promotion de l'équité, le renforcement du tissu familial et la lutte contre la pauvreté. Quel rôle avez-vous joué durant les périodes les plus difficiles de la crise sanitaire et sociale liée à la COVID-19? Je vous remercie. À vous la parole, Madame la Ministre. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente de session, Professeur Fassosar, ma sœur, et Madame Oued Bouchamaoui, de l'honneur que vous faites aujourd'hui de présenter les résultats de notre contribution sur la lutte contre le COVID-19 ici au Sénégal. Je vous remercie pour la présentation et magnifie les importantes considérations introductives qui augurent une séance enrichissante. Cela prouve encore une fois de la pertinence du choix sur vos expertises et votre leadership pour faciliter les travaux. Je salue les différents intervenants et l'ensemble des participants. J'adresse aussi mes félicitations à ma sœur et collègue du gouvernement, professeur Eva-Marie Kolsek, ministre d'État, président du comité scientifique du 3e Forum Galien, qui porte sur le thème « L'Afrique face aux défis de la pandémie à la COVID-19 ». Je magnifie bien entendu la généreuse idée d'organiser en prélude un pré-forum qui adresse la thématique dans ses dimensions jeunes et femmes, avec cette seconde journée dédiée aux femmes leaders autour de la thématique générale « Les femmes dans les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques face à la COVID-19 ». Dans cette perspective, ces sessions portant sur le genre et riposte contre la COVID-19, objet de ma communication, constituent à mon avis une excellente opportunité pour entretenir un dialogue inclusif autour des enjeux de la crise sur la vie des femmes d'une part et d'autre part sur le rôle qu'il leur est dévolu dans les stratégies de résilience et de relance post-crise. Ma contribution à cet échange portera dans un premier temps sur un regard sur les impacts différenciés de la crise sur les femmes et les hommes et dans un second temps sur les réponses développées dans une perspective genre au niveau de mon département. Pour le premier sujet, les impacts différenciés de la crise sur les femmes et les hommes, la communauté des chercheurs s'accorde sur un niveau de connaissance encore limité du virus, de l'évolution de la pandémie et un recul encore insuffisant pour asseoir des évidences fortes, même si, comme dans toute crise, il a été constaté une exacerbation des vulnérabilités et des discriminations préexistantes dans tous les domaines et tous les secteurs de la vie. Ces constats ont été remis en évidence par trois exercices qui ont été déroulés par une étude sur les effets et impacts de la COVID-19, analyse selon le genre par l'Université de Chase en collaboration avec mon département, une deuxième enquête rapide des effets de la COVID-19 perspective genre et un autre rapport de recherche sur la situation des violences basées sur le genre dans le contexte de la COVID-19 au Sénégal par l'Association des juristes sénégalaises. De l'articulation des résultats de ces trois exercices, il est ressorti que la pandémie impacte différemment les hommes et les femmes dans plusieurs domaines, parmi lesquels la modification de la hiérarchie des priorités dans les dépenses habituelles, l'effritement du pouvoir économique, la baisse de fréquentation des services de santé non liés à la COVID-19, la recrudescence des cas de viol dans l'espace domestique, une plus forte capacité de résilience des femmes dans la dynamique de sortie de crise. Pour la modification de la hiérarchie des priorités dans les dépenses habituelles, les ménages interrogés ont déclaré avoir décidé d'arrêter, de retarder ou de réduire certaines des dépenses habituelles dues à la perte de revenus engendrée par la COVID. 69% sont ceux dirigés par les femmes et contre 65% pour les hommes. Pour l'effritement du pouvoir économique, notre environnement économique est caractérisé par une prépondérance du secteur informel, au sein duquel des hommes semblent résister légèrement mieux que les femmes dans un même secteur économique. 81% des femmes employées déclarent avoir subi une baisse ou une perte totale de leurs revenus contre 110% des hommes employés. Au niveau des entreprises individuelles, la proportion est de 93% chez les femmes contre 90% chez les hommes. En effet, en termes de couverture de la consommation par le revenu du travail, il a été noté un taux de 6,9% pour les hommes contre 0,3% pour les femmes.
Ces situations s'expliquent par l'arrêt ou le ralentissement des activités donc, dû au couvre-feu et la restriction des déplacements. Pour la baisse de la fréquentation des services de santé non liés à la COVID-19, au niveau de la santé, 25% des répondants qui ont eu besoin de soins médicaux ont exprimé des difficultés d'accès aux services, soit 23% de femmes et 26% d'hommes. Ce phénomène est plus important pour les populations rurales, 29% que celles urbaines, 21%, et beaucoup plus accentué chez les personnes vivant avec une incapacité. Deux facteurs sont convoqués pour expliquer ce phénomène. Le premier tient à l'accessibilité matérielle si l'on tient compte de l'éloignement géographique des services de santé. Et quant au second, il est d'ordre psychologique, exprimé par la peur de contracter la maladie en milieu sanitaire. Une recrudescence des cas de viol dans l'espace domestique a été constatée. Il ressort des données recueillies auprès des 7 boutiques de droit tenues par l'Association des juristes sénégalaises, dont 5 procèdent d'un partenariat avec mon département, que les femmes victimes des violences représentent 43,8% avant l'avènement de la pandémie entre janvier et février 2020, contre 56,2% durant la période de la crise, avril à mai 2020, passant de 67% à 86%, soit une augmentation de 28,3%. Il a été également constaté un doublement des cas de violence pour motif économique à l'égard des femmes. Parmi ces cas, 79,7% concernent le défaut d'entretien et 20,3% le refus de donner la dépense quotidienne ou la pension alimentaire. Ces manquements non habituels aux obligations de prise en charge du ménage semble de ce fait relever des conséquences économiques de la pandémie et de la réduction des revenus du couple. Pour une plus forte capacité de résilience des femmes dans la dynamique de sortie de crise, une situation meilleure pour les femmes a été obtenue en ce qui concerne la dynamique de pauvreté. À l'heure actuelle, selon l'indice de suivi de sortie de la pauvreté, le pourcentage de femmes qui sortent de la pauvreté ou qui sont stables dans la non-pauvreté est de 52,9%. Contre 45% chez les hommes. Autrement dit, l'indice reste au-dessus de la moyenne chez les femmes au moment où les hommes connaissent un niveau inférieur à 50%. Ce résultat reste en cohérence avec la capacité de résilience plus élevée chez les femmes que les hommes que la crise a davantage révélé. C'est au regard de ces enjeux différenciés entre les différentes catégories sociales et les contextes socio-économiques dans lesquels vivent que le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, après avoir mis en place le programme de résilience économique et sociale du Sénégal, a demandé aux membres du gouvernement d'élaborer des plans sectoriels tenant compte des besoins spécifiques pour un meilleur ciblage des interventions. Dans cette dynamique, mon département a mis en œuvre un plan sectoriel élaboré dans une perspective genre visant à atténuer le choc sur les groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, mais aussi optimiser leur potentiel dans les stratégies résilientes et de relance dans la perspective de l'après-COVID-19. Pour la deuxième partie de mon intervention, je parlerai des réponses développées face à la COVID-19 dans une perspective genre au niveau de mon département, comme l'a posé tout à l'heure Madame la Présidente de séance. Dans la dynamique de maintien des avancées obtenues dans la mise en œuvre de l'ODD 5, la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres arrimée au plan Sénégal émergent, ses réponses étaient articulées au cours de 4 objectifs. Le premier était de renforcer la résilience des femmes très vulnérables par une allocation de moyens de subsistance. Le deuxième, renforcer la résilience des unités économiques des femmes du secteur informel par notamment une allocation de couverture partielle de pertes et de recettes. Et la troisième action, c'était d'assurer la protection d'urgence des enfants vulnérables en situation de risque. Et le dernier, c'était de sensibiliser sur l'adoption des mesures barrières et le changement de comportement durable. C'est ainsi qu'une allocation en moyenne de subsistance a été octroyée à 10 566 femmes en situation de vulnérabilité, femmes chefs de ménage, économiquement vulnérables, femmes vivant avec le VIH-SIDA, femmes victimes de VBG, femmes souffrant de maladies chroniques, femmes déplacées, victimes de mines, femmes en milieu carcéral, veuves et femmes affectées par la fistule obstétricale. En vue d'une préservation équitable des emplois et des actifs économiques, 1 000 femmes entrepreneurs du secteur informel des zones à plus forte prévalence de la maladie ont bénéficié d'un appui financier
subventions et crédits sans intérêt remboursables avec un différé pour la poursuite de leurs activités génératrices de revenus. Partant du postulat que les femmes sont au cœur des solutions face aux crises, les organisations féminines et les femmes leaders ont été mobilisées pour une campagne nationale de confection, de collecte et de redistribution de plus d'un million de masques dans le cadre d'un programme de sensibilisation et de communication pour un changement de comportement et le respect des gestes barrières au niveau communautaire. Notre volet de la réponse a porté sur la protection des enfants et la promotion de leurs droits avec le retrait et la sécurisation familiale de 5089 enfants âgés de 4 à 17 ans en situation de rue, dont plus de 90% ont été retournés dans leur famille. L'appui nutritionnel au profit de 2227,316 enfants âgés de 6 à 23 mois dans cette région administrative. L'appui en denrées alimentaires au profit de 36,934 enfants dans des structures préscolaires, DARA, pouponnières et crèches. Même si cette démarche a pu produire les résultats encourageants au niveau des familles et des groupes vulnérables, la crise étant toujours pendante et ses impacts socio-économiques n'ont encore entièrement cerné, toute réponse doit de ce fait s'inscrire dans la relativité. De plus, les politiques publiques sont appelées à inclure dans leurs prévisions, hypothèses et risques une récurrence des crises de toutes sortes et des maladies émergentes résultant notamment de la dégradation de la qualité de l'environnement. Dans cette incertitude, la prise en compte de l'approche genre apparaît comme une constante et une donnée incontournable. C'est pour cette raison que deux perspectives apparaissent fortes et d'intérêt majeur pour toutes et tous. D'abord, la réduction des impacts négatifs de la crise sur la population en général convoque nécessairement une approche différenciée basée sur l'équité et tenant compte des besoins spécifiques des différentes catégories sociales. La deuxième perspective porte sur l'intégration systématique du genre dans les plans de relance post-COVID pour un développement durable et équitable permettant de résorber les retards de développement générés par la crise sanitaire. Je voudrais saluer ce faisant la tenue de cette session et réitérer l'intérêt de mon département pour les importants résultats qui seront issus du troisième forum galien sur le thème « L'Afrique face au défi de la pandémie à la COVID-19 ». Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour cette présentation, donc pour ce que vous avez dit à propos de l'impact de la crise, la stratégie développée par votre pays. Je salue très fortement ce qui a été fait par le gouvernement sénégalais à propos de cette crise et surtout comment aider les femmes. Juste pour rappel, pour les panélistes, le temps d'intervention ne doit pas dépasser les 5 minutes. Comme ça, on sera dans le temps. Voilà. Donc, ouais, on va passer à M. Robert Gueye. Merci, donc, Madame, on la va faire tout... Madame la Présidente, je vous demande, oui. Je voulais avoir la permission de me libérer. Aujourd'hui, c'est mercredi. OK. C'est le jour du Conseil des ministres, oui. Obligé de me laisser la directrice de l'équité des gens continuer la réunion. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et bon travail. Merci. Merci. Alors, nous allons passer à M. Gueye, Robert Gueye, représentant régional de la FAO. Les questions sont, c'est le suivant, M. Gueye. À côté d'autres partenaires des Nations Unies, la FAO a participé dans la riposte contre les effets de la pandémie à COVID-19. L'initiative Le panier de la ménagère pour protéger les chaînes d'approvisionnement alimentaire et les producteurs locaux, particulièrement les femmes et les jeunes, est un projet qui montre que l'approche genre fait partie de la solution. Pouvez-vous nous parler de cette expérience et de certains financements innovants que vous avez initiés dans ce contexte? Monsieur Gueye. Merci beaucoup, Madame. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les organisateurs de ce forum pour l'invitation adressée aux Nations Unies, et ici je représente les Nations Unies et les trois organisations qui se sont mises ensemble pour mettre en place cette initiative panier de la ménagère. Il s'agit de la FAO, de l'ONU Femmes et de l'UNFPA. Alors donc ces trois organisations représente, comme j'ai dit, les Nations Unies pendant la COVID,
les Nations Unies se sont organisées pour pouvoir aider le gouvernement et surtout aider ceux pour lesquels nous sommes là, c'est-à-dire les populations et surtout les populations vulnérables. Alors, ici, je voudrais, vous m'excusez, voilà. Je voudrais passer au slide suivant pour dire pourquoi l'initiative Panier de la Ménagère. Et comme vous savez, avec la pandémie, les gouvernements ont pris des mesures pour pouvoir juguler cette crise. Mais ces mesures qui ont été prises ont eu des impacts néfastes sur la sécurité alimentaire, surtout au niveau des zones rurales. Nous avons connu des restrictions sur les déplacements, les transports et même des marchés qui n'ont pas fonctionné comme ils se devaient. Alors, donc, il y a eu des difficultés liées au commerce et surtout les petits producteurs qui ne pouvaient pas vendre ce qu'ils ont produit, et notamment les femmes et leurs produits agricoles. Ensuite, ceci a contribué de façon générale à l'accroissement de la vulnérabilité alimentaire des ménages à faible revenu. Alors donc, les femmes qui partaient même au marché pour acheter les légumes frais, les céréales, etc., le marché ne fonctionnait pas. Il a été très difficile d'avoir accès au marché. Alors, donc, comme j'avais dit au début, ces trois organisations ont eu à venir en aide au gouvernement dans la mesure où, comme vous le savez, à l'entame de la crise, le gouvernement a pris en main le sujet de la sécurité alimentaire des Sénégalais. Et donc, le gouvernement a acheté et distribué de la nourriture et des produits aux populations ici à Dakar et dans les zones rurales. Alors, donc, nous avons voulu aider et complémenter cette action parce que les femmes qui avaient produit du riz, du céréal, des légumes, le poulet, etc., qui n'arrivaient pas à vendre, c'était un manque de revenus à leur niveau. Et également, comme j'ai dit tout à l'heure, celles qui n'avaient plus accès à ces nourritures. Alors donc, ce panier de la ménagère a été fait en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, le ministère des Femmes. Je voudrais saluer la présence de Madame le ministre, qui a été la première à embrasser cette initiative, et aussi les partenaires sociaux. Alors, au niveau du financement, ces trois organisations ont pu mobiliser très rapidement plus de 450 millions de francs CFA. Et ces fonds sont répartis entre les fonds d'urgence que la FAO a pu mettre en place rapidement pour venir en aide ou en situation de crise et surtout après une évaluation rapide de ce qui se passait. Ensuite, l'ONU Femmes a eu un partenariat public-privé avec BNP Paribas pour avoir aussi un financement pour contribuer. Et l'UNFPA avec un partenariat avec Affaires mondiales Canada. Alors, donc, c'était des financements assez innovateurs puisque c'était pas facile d'abord d'avoir de l'argent très rapidement parce qu'il y a eu la crise, mais avec, disons, l'engagement de ces organisations, des financements ont été mobilisés pour pouvoir aider. Alors, les objectifs de cette initiative sont ici énumérés. D'abord, comme j'avais annoncé, il s'agissait de réduire les pertes de revenus des producteurs et des productrices vulnérables qui avaient des difficultés à écouler leurs produits. Ensuite, il fallait apporter aux ménages affectés par l'insécurité alimentaire un panier alimentaire diversifié et nutritif. Il faut aussi remarquer que pendant cette période, les écoles étant fermées, les enfants de 0 à 5 ans, les parents avaient des problèmes pour pouvoir subvenir, certains parents, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ce sont ces populations qui ont été ciblées par cette initiative. Le troisième objectif, c'est de renforcer les mécanismes de prévention
de la violence basée sur le genre. Tout le monde sait que pendant cette période, ce n'est pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde, la violence basée sur le genre avait éclaté pendant cette période de confinement, etc. Alors, les activités clés de cette initiative, d'abord, il fallait sensibiliser les populations pour réduire la propagation de la pandémie. Et donc, nous avons utilisé les radios communautaires, les clubs d'Imitra, la mobilisation communautaire, etc. Il y a eu également la distribution des kits sanitaires aux populations, aux productrices et aux producteurs, des appuis aux petits producteurs et productrices pour la composition du panier avec les produits, la distribution de ces paniers, et ça, nous l'avons fait au niveau des ménages vulnérables dans 8 régions du Sénégal, et comme j'avais dit tout à l'heure, le renforcement des mécanismes de prévention de VBG. Alors, c'est principalement les activités de ce panier de la ménagère, sous forme de résultats. Si alors, vous pouvez nous, aller plus vite. Voilà, nous avons eu un accroissement des revenus des transformatrices. Ensuite, et donc vous avez les chiffres qui sont donnés là, nous avons eu à apporter un soutien alimentaire à plus de 14 000 personnes à travers les régions dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, donc, la sensibilisation s'est passée en utilisant tous les moyens que nous pouvons trouver pour pouvoir avoir accès aux populations, surtout aux populations vulnérables. Et l'impact de cette initiative a été vraiment l'amélioration des conditions de vie et également le renforcement des mécanismes et de l'entrepreneuriat rural qui était affecté par la COVID-19. Je voudrais, pour finir, remercier vraiment les organisateurs pour nous avoir donné cette opportunité. Merci, madame. Merci beaucoup pour cette très, très belle présentation et très parlante. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur les discussions. Donc, je passe la parole à ma collègue préférée. Je m'adresse maintenant au professeur Abdou Salam Fall, qui est directeur du laboratoire de recherche sur transformation économique et sociale au Sénégal. Donc, dans le contexte actuel, pensez-vous que l'ingéniosité montrée par les femmes, leur implication remarquable dans la riposte contre la COVID-19, permettra de réduire les inégalités du genre et les violences faites sur les femmes? Quelles sont les stratégies de résilience qui ont été mises en place par les femmes pour s'adapter aux contraintes professionnelles, sociales et familiales, de la restriction des déplacements ou du confinement? La parole est à vous, monsieur le professeur Fall. Professeur Fall, activez votre micro, s'il vous plaît. Professeur Fall, s'il vous plaît, le micro. Activez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est très bien. Donc, c'est à vous la parole, professeur Fall. Je vous remercie infiniment pour cette invitation et l'opportunité de cette communication. Je voudrais saluer l'initiative de ce troisième forum et féliciter professeur Eva Marie Colsec pour cette initiative, elle qui est pour nous universitaires un modèle. En fait, pour répondre aux questions que vous avez posées, je voulais m'appuyer, si vous le permettez, sur une recherche qu'on a menée au Sénégal sur deux régions principalement et une enquête qui a permis de couvrir 3 000 femmes. Une enquête au téléphone qui a pu se réaliser auprès des femmes de 14 à 34 ans et 3003 femmes ont pu être enquêtées au téléphone entre juin et août 2020 avec un taux de pénétration de 77% et dans deux régions principalement, la région de Kaolack dans le centre du Sénégal et la région de Kolda dans le sud du Sénégal. Pourquoi ces deux régions? Parce que principalement, le programme que nous avons
voulu suivre pour évaluer son impact en santé reproductive porte principalement sur ces deux régions. Alors là, je présente les caractéristiques des personnes qui ont été enquêtées, des femmes qui ont été enquêtées avec une moyenne d'âge de 22 ans. 69 % de ces femmes sont mariées et 15 % sont actuellement scolarisées, tandis que 50 % ont été scolarisées dans le passé. Je vous présente 5 principaux résultats pour rester dans les 5 minutes que vous m'avez dévolues. D'abord, en termes de violence conjugale durant la période COVID, vous voyez sur ce tableau que d'après leur déclaration, près de 39 % ont déclaré que les violences conjugales ont diminué, tandis que 24,5% ont déclaré que ça a augmenté. Donc, 19 % considèrent que la situation n'a pas changé et vous voyez là qu'il y a une légère diminution, une diminution relative de la violence conjugale telle que perçue par les femmes. Deuxième résultat, peu de femmes ont eu peur d'aller fréquenter les structures de santé. Là, je vous affiche les statistiques. Pour les maladies d'un des enfants, seuls 6 % sont concernés par cette peur. S'agissant de la vaccination, 6 % les planifications familiales, 2 % 1,5% pour les visites prénatales, 1% pour l'accouchement et les consultations postnatales de l'ordre de 2%. Voyez-vous, si on prend les statistiques dans le sens inverse, on a de l'ordre de jusqu'à 85% qui déclarent n'avoir pas eu peur d'aller fréquenter les structures de santé. Si on considère le troisième résultat, est-ce que les femmes ont respecté les mesures barrières? Là, les résultats sont impressionnants parce qu'on arrive à des taux particulièrement élevés de respect des mesures barrières. Mais l'impact lié à certains événements, notamment la fermeture des mosquées, la fermeture des écoles ou la distanciation notamment liée à la quarantaine ou les restrictions de voyage ou la fermeture de magasins ou la pénurie de denrées ont eu un impact considérable sur la vie des ménages. Cinquième résultat, c'est peut-être le plus impressionnant, c'est l'indicateur de faim qui est passé du simple au triple. Voyez-vous, on a là les statistiques avant COVID et les statistiques durant la période de COVID. Et on voit bien qu'avant la COVID, on était de l'ordre de 10 % qui, évidemment, avaient été victimes de faim modérée ou sévère dans les ménages. Et avec la COVID, on passe de l'ordre de 38 % entre 23 à 38% selon la région considérée, ce qui montre qu'on a là une situation assez préoccupante qui est liée à la faim, et notamment à la faim modérée et sévère dans les ménages. Cinquième et dernier résultat, c'est le bien-être émotionnel des femmes qui a diminué par contre considérablement. Là, on a la situation avant la période de la COVID, où on a une moyenne là aussi de 9 % entre Kolda et Kaolack. Et cette situation nous amène à une augmentation considérable, notamment jusqu'à 13 % de femmes qui sont, considèrent que leur bien-être a diminué considérablement. Au total, si on fait le point, on peut conclure que face à la COVID, les femmes rurales ont été fortement résilientes. D'abord, la diminution relative de la violence conjugale due à la COVID-19. Par cette violence conjugale, on entend évidemment les différentes formes, qu'elles soient les violences physiques, verbales comme symboliques. Deuxième résultat, la sécurité alimentaire des ménages
qui est fortement éprouvée durant la pandémie, comme stratégie résiliente, le fait que la COVID-19 a été accélératrice d'un processus de développement d'une économie locale, notamment la hiérarchisation des besoins, comme ça a été soulevé tout à l'heure par Madame la ministre. Les femmes rurales sont réceptives aux mesures barrières. Là, je vous donne les chiffres qui ont été observés. 51% se lavent les mains 2 à 3 fois par jour et 47% 5 fois par jour. Et là, on met ça en rapport aussi avec, disons, les usages et les coutumes qui font que les femmes étant impliquées fortement dans plusieurs activités dans la journée, de toute façon, se laver les mains assez régulièrement. Et donc là, la situation des mesures barrières conforte une pratique. Évidemment, on y ajoute le lavage au savon ou au gel, alors qu'habituellement, elles se lavent les mains à l'eau tout court. Ou alors, quand ça exige vraiment qu'elles se lavent avec du savon ou du gel, c'est lié aussi au type d'activités qui ont été menées antérieurement. Mais en tout cas, là, ça conforte une pratique assez courante. Le port des masques jusqu'à 87% lors de la dernière sortie et 71% réussissent à éviter les rassemblements de plus de 10 personnes, ce qui montre globalement qu'on est dans une situation assez favorable de respect assez strict des mesures barrières. Avant-dernier point, elles ont été informées aussi assez largement sur la COVID et les mesures barrières. D'abord par la radio et la télévision, la radio arrivant en première position, les voisins et les amis à 52%, les acteurs communautaires, il faut la saluer aussi, jusqu'à 27% déclarent que c'est par les acteurs communautaires, notamment les Badianougor, comme on les appelle ici, les tantes des quartiers, j'allais dire, qui effectivement aident à vulgariser fortement les messages liés à la santé. Enfin, elles ont préconisé avec succès des échanges à distance et cela conforte l'idée qu'elles ont été résilientes face à la COVID. Et je voulais vous remercier pour votre attention et reste à votre disposition pour des échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je peux passer à l'autre intervenante ou je vous laisse commenter d'abord. Madame, moi, je pense que... Oui, ouais. Je salue, franchement, moi, je... J'ai beaucoup aimé cette résilience des femmes sénégalaises parce que vu qu'il y a eu une diminution donc de la violence conjugale, mais de son application, de son écoute, et c'est important. Je ferai peut-être après la conclusion de tous ces travaux et je vous laisse poser la question à Madame Nathalie Gwenga. Voilà, merci. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir sur quelques questions avec les. Bien sûr. Les présentations. Surtout sur le cas sénégalais. D'accord. Pourquoi en monde rural, on pense à certains résilients. En tout cas, on reviendra là-dessus. Pour Madame Nathalie Gwenga, chargée du genre en chef à la Banque africaine de développement, la BAD, en Côte d'Ivoire, la question est quels sont les effets de la pandémie sur les femmes et comment pourraient-elles se saisir de cette nouvelle donne pour s'émanciper et acquérir plus d'autonomie? L'Afrique peut compter sur ces femmes pour se relever de la crise du COVID-19 ou de la COVID-19. Est-ce là un slogan ou une réalité? Sur le continent, beaucoup d'initiatives ont été mises en œuvre par les femmes pour s'adapter au confinement, vente à distance, usage de tchèque-tchèque, c'est les motos, pour l'approvisionnement et la livraison. Pouvez-vous partager avec nous quelques-unes d'entre elles? Merci. Je vous remercie. Alors, je vous remercie donc d'avoir invité la Banque africaine de développement. Et alors que la pandémie met à rude épreuve les modèles économiques mondiaux actuels, les personnes employées dans l'économie informelle sont touchées de manière disproportionnée.
et les femmes sont les principales victimes des retombées économiques et sociales de la pandémie. Par ailleurs, une étude récente conduite par ONU Femmes, Labad et Impact Terre a montré que la pandémie entraîne également des impacts négatifs sur les petites et moyennes entreprises, en particulier pour celles qui sont dirigées par des femmes. Or, les PME créent environ 80% des opportunités d'emploi en Afrique. Dans le domaine de l'accès à la technologie, les femmes d'Afrique subsaharienne sont environ 45% moins susceptibles d'être en ligne que les hommes. Cela se traduit par moins de femmes africaines propriétaires de PME participant au commerce électronique. Cependant, les entreprises à technologie avancée sont essentielles à la survie en temps de pandémie. Cet écart, s'il n'est pas comblé, perpétuerait et empêcherait les entreprises dirigées par des femmes de participer à une économie de plus en plus numérique. Pour amortir les impacts de la COVID-19, les gouvernements africains ont déployé des plans de relance, des politiques fiscales et monétaires qui ciblent les entreprises. Cependant, très peu de ces mesures et politiques prennent en compte des barrières spécifiques qui empêchent les femmes entrepreneurs de se développer et d'avoir accès aux mêmes opportunités commerciales que les hommes. Si des mesures appropriées ne sont pas prises, la pandémie pourrait potentiellement creuser l'écart de financement entre les hommes et les femmes, qui était estimé avant la pandémie à environ 42 milliards de dollars. Par conséquent, il est impératif de prôner une mise en œuvre délibérée de politiques et des solutions soucieuses de l'égalité des sexes. Au niveau de la Banque africaine de développement, celle-ci a développé une quarantaine de projets d'urgence de lutte contre la pandémie à travers l'Afrique, axés essentiellement sur la santé publique, les transferts monétaires, l'assistance alimentaire, en particulier pour les femmes. En Tunisie, par exemple, vous avez un projet où 70% des bénéficiaires sont des femmes, et il y a aussi une assistance pour les petites et moyennes entreprises. Je voudrais préciser ici que la banque place l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes au cœur de ses opérations. Une nouvelle stratégie genre pour la période 2021-2025 est en cours de développement et tient compte de l'impact de la pandémie. Le deuxième pilier de cette future stratégie est étroitement lié aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Il s'agit d'accélérer l'employabilité et la création d'emplois pour les femmes. Ce pilier se concentre sur l'amélioration de l'accès aux compétences et aux emplois, comme je l'ai dit, en tenant compte de la nécessité d'introduire davantage de femmes dans les domaines des STEAM. Il s'agit également de tirer parti de la technologie pour améliorer l'accès aux compétences et à l'information. Il est un fait que les femmes sont des piliers des économies africaines. En effet, il a été démontré que les femmes investissent deux fois plus que les hommes dans le bien-être des familles, améliorant ainsi la vie des autres membres de leur ménage et de leur communauté. Mais pour ce faire, la condition sine qua non est qu'il faut les autonomiser et leur donner un soutien adéquat et reconnaître le rôle phare qu'elles jouent dans les sociétés africaines. Alors, en période de pandémie, la banque a bien évidemment, donc, outre les projets d'urgence dont j'ai brièvement mentionné l'existence, la banque a également adapté son approche d'intégration du genre dans le domaine des STEAM. Ainsi, la banque et ONU Femmes ont développé un projet de chaîne de valeur en Côte d'Ivoire à travers une plateforme mobile appelée Buy for Women, où il s'agit de fournir des informations aux agricultrices sur les marchés et les finances. Il y a aussi un volet renforcement des capacités et beaucoup d'autres activités. Alors, il a été décidé donc d'adapter suite à la crise. Il y a une étude qui a été faite pour identifier les problèmes spécifiques auxquels font face les femmes en zone rurale et trouver des mesures d'atténuation, notamment des formations en ligne. Il est prévu notamment des formations en ligne et aussi des séances de prévention contre les violences basées sur le genre. Un autre projet important, un autre projet phare pour les agricultrices africaines, c'est l'accès aux technologies adéquates pour améliorer leur productivité, grâce au programme Technologie pour la transformation agricole en Afrique, TAT. Un autre projet très, très important, c'est le Bank Coding for Employment Programme, en partenariat avec Microsoft. Et donc, suite à la pandémie, il s'agissait donc de formation pour les jeunes hommes et les jeunes femmes
pour un accès aux outils numériques et les doter de TIC, et aussi leur donner donc des formations d'entrepreneuriat et aussi des compétences générales pour être nécessaires pour être compétitif dans une économie numérique. Donc suite à la pandémie, toutes les formations sont en ligne, y compris les formations spécifiques qui sont réservées aux femmes, qui comprend un volet sur les compétences de vie ou des rôles modèles dans l'espace des compétences technologiques et numériques, partagent leur histoire avec les cohortes et jouent le rôle de mentor pour les étudiants tout au long du programme. Enfin, je parlerai du nouveau programme d'action affirmative pour les femmes en Afrique, AFAWA, qui a pour objet de combler le déficit de financement auxquels sont confrontées les femmes africaines à travers des programmes qui créent des opportunités pour les femmes d'obtenir des financements pour le développement de leurs entreprises, y compris dans l'estime. Je vous remercie. Merci beaucoup et je tiens à remercier aussi l'impact et le rôle de la BAD concernant l'activité économique en Afrique et surtout ce programme que j'ai beaucoup adoré pour encourager la femme et pour impliquer la femme dans l'entrepreneuriat, parce que moi, je répète tout le temps, je dis que, comme disait Simone de Beauvoir, la liberté de la femme commence par son porte-monnaie. Lorsque la femme a cette indépendance financière, ça permet d'avoir plus de dignité, ça lui permet aussi de faire face aux soucis et d'éviter certains problèmes. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on s'occupe de la femme entrepreneur, de la femme qui est motivée pour être indépendante et de lui donner tout le soutien nécessaire, de la former, d'encadrer, puis mettre à sa disposition ses moyens financiers. Donc, bravo pour ce que vous êtes en train de faire à la BAD et je souhaiterais qu'il y ait plus d'informations de tous ces programmes-là pour que ces programmes-là soient un peu mieux connus, mieux dans les régions de l'Afrique, et surtout vulgariser ces programmes-là et faire connaître les success stories. Et comme ça, on aura toujours devant nous de rôles modèles et ça permettra aussi aux femmes dans d'autres pays de l'Afrique de retenir les leçons et de faire donc comme celles qui ont réussi. Je remercie tous les panélistes parce que c'est vraiment très enrichissant. J'ai beaucoup appris des expériences des uns et des autres. Et là, si ma collègue aussi le permet, on va passer aux questions et de ceux qui sont présents. Donc, si jamais il y a une question parmi les présents, je vous demande de bien vouloir lever la main. Comme ça, on saura qui va poser la question. Et donc, on se chargera, moi et professeur Sao, de donner la parole aux uns et aux autres. Parmi ceux qui sont en train de coordonner ce programme, si jamais il y a des questions qui sont écrites, vous pouvez nous faire passer ces questions. Sinon, on continuera nous-mêmes. Voilà, je me disais qu'en attendant que Alice, les personnes se signalent, j'aimerais juste revenir sur deux comparaisons. Le travail fait par la BAD et par la FAO, qui se complète quelque part en permettant de fonctionner sur la résilience, de répondre aux questions concrètes immédiates, mais en même temps en se projetant sur le futur pour avoir d'autres façons de faire ce que la BAD est en train de faire. C'est extrêmement intéressant. Les deux cas du Sénégal, Madame la ministre a parlé de la difficulté, la plus grande difficulté des femmes à faire face, ce qui correspond en tout cas à des études que nous-mêmes nous avons menées pendant cette COVID. Le travail de M. Fall est extrêmement intéressant aussi, mais je lui poserai la question, est-ce que c'est parce que la zone qui a été identifiée est la zone la moins touchée par la COVID? En fait, les comportements certainement à Dakar ou Dakar, Thiès ou Touba, qui étaient les axes les plus affectés, les zones où la COVID a été la moins affectée, peut-être ça explique ce type de comportement. En tout cas, les résultats sont tout à fait très intéressants et très positifs, mais peut-être qu'il faudrait regarder en quoi ces zones-là par leur relation avec la COVID. Et deuxième élément aussi, donc voilà, peut-être que c'est sur ça qu'on va revenir entre ce qui se passe à Dakar et ce qui se passe dans les zones rurales qui sont les moins affectées. Si vous permettez, avant, allez-y.
Oui, avant de passer la parole, parce qu'il y a, une personne qui souhaite parler en audio. Donc, on va écouter sa question, puis après, on donnera au professeur Fall le temps pour répondre à votre question. Donc, c'est M. Ahmed Idoussourou qui est avec nous en audio. Donc, c'est à lui la parole. Thank you very much. Good morning. Good morning. Thank you for the... Merci pour votre exposé. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre l'exposé parce que je n'ai pas pu suivre l'interprétation en anglais. Il faudrait résoudre le problème d'interprétation vers l'anglais. Je n'ai pas pu suivre l'essentiel de la présentation du fait de l'absence d'interprétation vers l'anglais. Excuse me. Yeah. Do you have any question, please? No. Elle dit qu'elle n'a pas eu la chance. Elle ne pouvait pas. Il n'y a pas eu d'interprétation. Beaucoup de choses leur ont échappé. Sans souci. Donc, c'est à vous la parole, professeur Fall. Je vous remercie infiniment de questions et des commentaires que vous avez voulu faire. Et au passage, je remercie aussi ma grande sœur Fatou Sousa pour l'introduction qu'elle avait faite au début. Alors, les résultats que je venais de présenter, qui résultent d'une étude que le LARTES, le laboratoire que je coordonne à l'université, et l'IFPRI ont réalisé, ces résultats sont contre-intuitifs parce qu'on s'attendait à ce que les femmes réagissent plus fortement là où la COVID a le plus de taux de pénétration. Lorsque les personnes vivent avec d'autres qui sont affectées directement par la COVID, on peut penser que les réactions de protection deviennent plus fortes. Or, là, nous avons enquêté en zone rurale relativement éloignée et donc deux régions qui font partie des moins touchées d'une certaine manière par la COVID. Et on voit que les comportements, les précautions qui sont développées par les femmes renvoient à une situation spécifique, qui est peut-être le résultat aussi de l'intervention en santé reproductive qui caractérise ces deux régions. Parce que nous avons enquêté là où les programmes ont été mis en œuvre, le programme santé reproductive. Et donc, c'est peut-être ça le résultat, le fait que l'accompagnement qui est fait par les acteurs de développement a eu l'impact considéré là au sein de ces femmes rurales qui, d'ailleurs, souvent développent des habiletés assez fortes, autrement qu'on ne les envisage au départ. Donc, c'est ça que je voulais dire pour répondre aux questions que vous avez bien voulu soulever. Je vous remercie infiniment et je reste à disposition pour d'autres commentaires. Merci à vous. Moi, j'ai une question à tous les panélistes. J'ai remarqué lors de ces enquêtes qui ont été faites au Sénégal, c'est qu'il y a eu une réduction de la violence conjugale donc, suite à cette COVID. Contrairement chez nous en Tunisie, il y a eu des enquêtes qui ont été faites et on a constaté que le nombre de violences conjugales ont été plus élevé parce que, vous savez, lorsque les gens vivent dans un endroit très, 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 très exigu, donc il y a plus de problèmes, plus de soucis. Puis les hommes, d'une manière générale, ne sont pas habitués à rester, surtout lors du confinement, à rester toute la journée à la maison avec l'espace exigu, avec donc ce contact un peu inhabituel. Donc, et là, les études qui ont été faites ont démontré qu'il y a plus de violence. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est moins chez vous que dans d'autres pays. Ça, c'est ma première question. Et puis, ma seconde question, c'est j'ai beaucoup aussi, franchement, aimé cette aide du gouvernement sénégalais aux femmes vulnérables, surtout ce panier de la ménagère où il y a eu aussi ces mouvements, ces initiatives pour encourager à acheter localement et aussi à payer, à donner quelque chose pour faire face au manque de revenus. Mais est-ce que
ce panier là de la ménagère qui a été fait d'une manière, bien sûr, avec un travail qui a été fait par les trois organisations appartenant à l'ONU. Est-ce que ça continue tout le long de cette phase ou bien c'était limité à une certaine période? Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. D'accord, voilà. Donc, si un des panélistes souhaiterait vraiment répondre à mes deux questions, voilà. Je pense que le professeur va peut-être répondre à la première question. Oui. Je voudrais répondre à la deuxième question. Allez-y, oui. Pour dire que le panier de la ménagère avec le financement que j'ai annoncé, c'est un financement pour commencer. Et donc, toutes les organisations, compte tenu du succès qu'il y a eu, toutes les organisations sont en train de continuer. Et d'ailleurs, ce processus avait été fait pour que chaque mois, on puisse avoir acheté et vendre. Pendant la présentation, je n'ai peut-être pas dit, vous savez, au niveau de la vallée, du fleuve Sénégal, il y avait un millier de femmes qui avaient produit du riz et qui n'arrivaient pas à vendre. Et donc, nous avons pu lever cela. Moi-même, je suis parti sur le terrain avec les ONG telles que FAO et ce que j'ai vu de mes propres yeux est extraordinaire au niveau des céréales, le maïs et autres, au niveau du riz, etc., qui ont été mobilisés et qui n'avaient pas été vendus, que le programme a pu acheter pour pouvoir mettre à disposition. Alors, donc, c'est un programme qui continue et qui va... On a aussi des bailleurs qui sont de plus en plus intéressés et qui va continuer pendant une période. Si je peux me permettre... Oui, allez-y. Il y a professeur Fall qui souhaiterait répondre à la première question. Oui. Après, on cédera la parole. OK? Oui, Merci beaucoup. Je voulais signaler que dans le cadre de l'Observatoire de suivi de la COVID-19, qui est institué par notre ministère de l'Enseignement supérieur, j'ai la chance de coordonner le groupe thématique sur les études d'impact COVID sur la famille, la société et le chichik. Et plusieurs études sont actuellement en cours et donc probablement ces études nous permettront d'avoir des réponses qui couvrent l'étendue du territoire. Parce qu'il y a une enquête qui est en cours sur la famille, l'impact sur la famille, l'impact sur le religieux, sur la diaspora, l'impact sur les acteurs culturels, etc., et qui sont actuellement en cours d'exécution, toujours par des enquêtes téléphoniques. Donc, maintenant, comme hypothèse, beaucoup d'entre nous pensions que, compte tenu de la distance sociale qui existe de fait au sein des ménages, que la situation de confinement amène les acteurs au sein des ménages à vivre, apprendre à vivre ensemble dans des situations d'exiguïté, quelquefois de promiscuité assez avancée, que cette situation allait entraîner davantage de violence au sein des ménages. C'est ça l'intuition qu'on a de fait. Mais les résultats semblent indiquer l'inverse. Bon, alors, peut-être qu'on peut formuler l'hypothèse sous-jacente que la COVID a entraîné une intensité émotionnelle plus forte qui a amené les acteurs, hommes et femmes, à cohabiter et à apprendre à cohabiter et à juguler certaines formes de violence en installant un mécanisme de communication probablement plus forte qu'auparavant. Parce que les distances sociales sont quand même assez fortes au sein des ménages. Entre hommes et femmes, donc de genre, des distances de génération, et ces distances se sont, disons, atténuées assez fortement du fait de la situation
de semi-confinement que nous avons vécu. Voilà, donc à l'étape actuelle, on est au niveau des hypothèses et les recherches futures en cours nous permettront de pouvoir donner des réponses plus exhaustives dans la situation sénégalaise. En attendant, la recherche qu'on a menée auprès des femmes rurales indique l'inverse, c'est-à-dire que les violences conjugales ont diminué assez fortement quand même si on regarde les statistiques que je venais de partager avec vous tout à l'heure. Merci à vous. Madame Nathalie Gwenga. Mais après, je reviendrai sur cette étude-là. Parce qu'il y a d'autres études qui disent le contraire. Oui, y compris ce que la ministre vient de présenter. Voilà. Elle parce a que nous avons. D'une violence qui a augmenté de l'ordre. Juste une Oui. Passant c'est-à-dire, de 43 à 56 %. Bon. Voilà, parce que les centres d'écoute ont recueilli, mais ça, c'est des faits observés, plus de violences pendant la COVID. Amnesty, dans la zone de Kolda, a retrouvé aussi plus de femmes qui disent qu'elles ont été violentées. Maintenant, les méthodologies posent souvent problème, parce qu'une approche téléphonique, je dis toujours que les gens, ils donnent des réponses socialement acceptables. Entre les données des centres d'écoute de l'AJS qui recueillent régulièrement les plaintes contre les violences dans la période passée et la période pendant la COVID, en tout cas, ont donné une hausse sensible des violences faites aux femmes. C'est ce que la ministre de la Femme a retracé. Ça, c'est dans Dakar. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des hypothèses. Peut-être que le monde rural a un comportement différent. Donc, c'est pour ne pas dire que c'est le Sénégal. C'est-à-dire, c'est localisé. Peut-être que quand toutes les études seront terminées, on pourra avoir une vision beaucoup plus juste. Merci. Merci beaucoup. Madame Nathalie Gwenga, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Très rapidement, par rapport aux violences basées sur le genre, malheureusement, nous avons constaté dans la plupart des pays que nous couvrons qu'il y a eu une augmentation significative. Et donc, dans le cadre de nos projets, nous incluons toujours des mesures contre les violences basées sur le genre dans tous les projets, dans tous les quarantaines de projets dont je vous ai parlé. Et il y a eu une initiative très importante en Afrique du Sud où, étant donné la recrudescence, le gouvernement a accepté donc qu'il y ait des mesures politiques par rapport à de lutte contre les violences basées sur le genre. Et donc, c'est dans le cadre d'un projet de la Banque africaine de développement. Alors, je voudrais, par rapport au Sénégal et donc les différents projets, donc celui que M. Gay a présenté, je lui ai dit qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques et qui nous intéressent particulièrement. Et donc, pour information, nous avons des documents qui s'appellent des profils genre par pays. Et justement, nous essayons de collecter aussi des bonnes pratiques. Pas seulement faire un état de la situation en matière de genre dans les pays, mais aussi montrer les bonnes pratiques pour pouvoir les élargir au niveau de l'Afrique, mais donc aussi à un niveau plus large, donc peut-être du milieu rural à une dimension plus large. Merci. Merci à vous, merci. Moi, je me demande si dans certains pays, peut-être on parlera un peu de l'expérience puisque du Sénégal, si cette... on a parlé, mais surtout Madame la ministre, elle a parlé un petit peu de la discrimination sur le côté genre, où la femme n'a pas l'accès facile à certains services. Y a-t-il des moyens, quels sont les moyens à faire pour que la femme soit plus impliquée, qu'elle soit aussi impliquée dans la prise de décision, qu'elle soit aussi sur le terrain, pour qu'il y ait au moins une équité dans le soin, dans les services, dans l'accès à la formation, et puis que aussi la femme n'aura pas peur de cette pandémie. Comment faire pour que la femme soit plus motivée à être impliquée, à être plus impliquée dans la société civile, plus impliquée à être impliquée dans toutes les organisations, dans toutes les ONG, parce qu'elle a un rôle à jouer en tant que mère, en tant qu'épouse, qu'elle est parfois elle est chef de famille dans certaines régions, là où il y a beaucoup de tribus, et qu'elle a un rôle de,
pour convaincre. Elle a un rôle aussi à jouer pour initier, surtout pour les enfants, tous les gestes barrières, le fait d'être un peu la distanciation sociale, et surtout impliquer pour qu'elle soit aussi, sur le côté financier, qu'elle ait aussi les moyens nécessaires pour subvenir et pour ne pas rester toujours derrière et avoir des soucis de financiers. Je voudrais, s'il vous plaît, avant de répondre, il y a des participants, il y a une question et un commentaire. Abdoulaye Ka dit par rapport à la présentation de la FAO, je voulais savoir les leçons apprises sur les cellules de veille concernant les VGB en termes de résultats et les limites. Quant à El Hadj Mbaye, lui, il dit que le résultat de la recherche d'Abdou Salam Fall montre la nécessité d'avoir une approche africaine de la lutte contre le COVID-19, car même si l'étude est réalisée dans les zones rurales, elle montre une baisse sensible des violences sexuelles dans les ménages, contrairement à ce qui se passe dans le Nord. Et il faut repenser la question du genre, etc. Mais je veux encore insister pour dire que l'étude de M. Fall est une étude limitée et qu'il y a bel et bien beaucoup d'autres résultats qui montrent que la violence a augmenté, c'est-à-dire les études qui font des mesures, là, c'est une étude de perception où la personne dit son sentiment. Mais là où on a eu la possibilité de faire de la mesure, les mesures ont démontré que la violence a augmenté pendant la COVID. Mmh. Donc, c'est pour que M. El Hadj Mbaye ne nous renvoie pas, en tout cas, à une généralisation hâtive. Donc, l'ensemble des résultats nous montrons, c'est une question sérieuse, et l'ensemble des résultats nous montrons qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pourrais même revenir sur des cas d'explication sur comment ces violences-là ont monté avec l'étude d'Amnesty ou avec l'étude de comité de lutte contre les violences faites aux femmes ou de l'étude de AGS. Donc, c'est des résultats tout à fait différents qui posent en tout cas une sérieuse question sur cette affaire. Donc, voilà, peut-être que M. Abdoulaye peut avoir la réponse de la FAO sur les VGB, les cellules de veille, les résultats des cellules de veille. Les résultats et les limites. Ouais, merci. Je voudrais remercier le participant qui a posé la question. Il faut dire, comme j'avais annoncé au début, cette initiative, c'est une initiative des trois organisations, mais il faut dire que la mise en œuvre a été faite par chacune des organisations en fonction de son mandat. Et donc, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour pouvoir dépouiller les résultats. C'est les quelques résultats préliminaires que j'ai présentés. Alors, cette partie a été mise en œuvre par l'UNFPA, qui est chargée de questions de violence basées sur le genre. Donc, ce que je ne voudrais pas donner des chiffres ou dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Si j'ai le email de celui qui a posé la question, je pourrais le mettre en contact avec la directrice de UNFPA pour lui donner plus d'informations plus concrètes sur la question. Merci. J'aimerais bien placer un mot, si c'est possible. Oui. S'il vous plaît, oui, allez-y. Allez. Oui, à la question que vous avez posée, je suis tenté de dire, oui, insistons beaucoup sur les approches communautaires dans le cadre de la riposte face à la COVID. Et je pense que les stratégies qui ont été développées devraient être renforcées dans cette direction. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Tandis que pour ma collègue et grande sœur, Fatou Sousa, oui, je constate que nous sommes tous appelés à développer les méthodes d'enquête par téléphone de plus en plus face à cette période de COVID. De toute façon, nous n'avons pas le choix et c'est un apprentissage pour nous tous. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on y a mis la rigueur nécessaire. Nous avons vraiment travaillé d'arrache-pied pour former fortement les personnes qui font les enquêtes au téléphone. Et voilà. Maintenant, les résultats des recherches, c'est aussi ça. Ça veut dire qu'on a des hypothèses et on se rend compte de la réalité lorsqu'on fait les enquêtes. Pour ces 3000 femmes qui ont répondu, le résultat, c'est de dire 39%
déclare que les violences conjugales ont diminué. Mais dans le même temps, 25% ont dit que ça a augmenté. Et 19% ont dit que la situation n'a pas changé. Et 17% ont dit qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas, elles ne peuvent pas répondre à la question. Donc, oui, considérons que c'est des résultats qui concernent deux régions au Sénégal sur une tranche de population active, de femmes actives, et d'autres résultats de recherche viendront soit conforter ou remettre en cause ces évidences scientifiques qui devraient nous permettre, en tout cas, de constater que là où il y a eu une intervention, une approche de proximité en santé reproductive, en milieu rural au Sénégal, on est arrivé à ces résultats durant la COVID. Et on a eu aussi la chance d'avoir fait des observations, pas sur la violence, mais sur, disons, la faim avant et durant la COVID. Et je vous ai aussi présenté les résultats qui montrent effectivement que la situation s'est fortement dégradée au plan de la faim moyenne et légère et sévère au sein de ces ménages en milieu rural. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bon, merci, Salam. C'est moins pour vous que pour notre ami Souleymane Soumaré qui tout de suite développe des thèses comme quoi nous devons vos résultats en essayant de généraliser en disant comme c'est ça la situation du Sénégal, d'en découler d'autres analyses. C'était pour relativiser, pour lui dire voilà la juste mesure de cette étude, il y en a d'autres et dans le temps, nous aurons la situation exacte pour ce pays. Mais comme il y a des gens qui sont contre la progenre, qui sont contre l'Occident, etc., alors qu'on est dans un domaine scientifique, c'est de dire tout de suite oui, nous devons avoir notre façon de faire. C'est de rester juste dans la mesure des résultats pour ce que ça représente dans les proportions de l'étude. Et puis après, on avancera. C'est plus pour ça que j'ai fait cette réaction. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Professeur. Allez-y, oui, allez-y. Professeur Lafam, je souhaiterais prendre la parole. Bien sûr, allez-y. Merci beaucoup de nous avoir permis de prendre la parole. Je voudrais avant tout qu'il nous soit permis de rendre hommage au professeur Miss Zeta Eva Marie-Col Seg, au professeur Fatou Sawsar et tous les membres de la plateforme, de cette auguste plateforme si enrichissante. Fort heureusement, mon professeur Fatou Sawsar a mentionné le champ de l'étude qui était axé sur les femmes rurales, qui porte sur deux régions, notamment Kaolack et Kolda. Et la ministre a bel et bien dit que les données factuelles sur les violences basées sur le genre qu'elle vous a livrées était issue des faits enregistrés au niveau des boutiques de droit, cette boutique de droit dans cette région. Maintenant, l'autre analyse qu'il faudrait intégrer, c'est le siège des boutiques qui se trouve au niveau des centres-villes. Tout à l'heure, on a essayé de faire la comparaison entre le milieu rural et le milieu urbain. Moi, je pense que c'est extrêmement important, puisque le confinement, facteur générateur parfois de hausse de la violence, ce facteur peut ne pas être le même en milieu rural vu qu'ils ont beaucoup plus d'espace. Autre chose qu'il faudrait retenir qui pourrait expliquer relativement la baisse de la violence, surtout dans les deux régions qu'il a mentionnées, c'est le fait que avec la restriction de déplacement de couvre-feu, ça peut atténuer parce que les problèmes de couple ont passé à des problèmes de déplacement, à des questions de déplacement. Aussi, les interventions immédiates durant la crise sur les violences basées sur le genre ont été également centrés dans les régions comme Kolda, Sédou, parce que ce sont les zones d'intervention de l'UNFPA. Et quelqu'un vient de dire tout à l'heure que l'UNFPA porte cette politique d'éradication de la violence. En relation avec l'UNFPA, le ministère a mené des actions immédiates avec tous les acteurs, surtout les jeunes filles, en termes de sensibilisation, mais également d'offres de services. Ça pourrait expliquer d'où la nécessité, comme l'a si bien dit professeur Farsosa, de combiner toutes ces initiatives et de voir comment prendre au mieux, de manière consensuelle, la tendance qui nous guiderait mieux pour le futur. Concernant la question de Madame Boucha Mao sur l'implication des femmes, vous me permettrez de dire que, en ce qui concerne le Sénégal, nous pouvons dire que les femmes ont été à l'avant-garde, elles étaient au premier rang, et ce qui nous a incité à prendre le slogan « Les femmes font partie de la solution », autrement dit,
nous ne les considérons pas uniquement comme destinataires d'offres de services, mais d'actrices porteuses de solutions, et ça a été démontré durant la réponse à la COVID, et ça a renforcé l'engagement communautaire. Les femmes leaders, qu'elles soient politiques ou leaders d'associations, religieuses ou autres, ont contribué efficacement et considérablement à la sensibilisation, à la communication pour le respect des gestes barrières, mais également à l'offre de services en termes de soutien en dons alimentaires ou de produits d'hygiène, et que aussi les femmes en tant que mère et épouse ont trouvé des solutions innovantes tenant compte de la conjoncture économique. C'est le cas sénégalais. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pense que d'autres instances nous permettront davantage d'approfondir cela, et nous comptons maintenir cette dynamique pour mieux valoriser l'apport des femmes, surtout en milieu communautaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Moi, je salue cet engagement du gouvernement sénégalais, et je pense que lorsqu'il y a cette volonté politique pour pousser, pour que les femmes soient présentes, les résultats sont là. C'est important, donc, comme vous l'avez bien dit, le slogan de votre ministère, que les femmes font partie de la solution. C'est vrai. Si on implique les femmes, on trouvera de meilleures solutions et elles seront mieux sensibilisées de ce qui se passe. Et le fait est là, donc félicitations pour ce que vous êtes en train de faire. Et j'espère que de plus en plus, les femmes soient plus impliquées et dans la vie économique, sociale et politique, parce que les femmes représentent la moitié de la population un peu partout. Donc, merci beaucoup. Et là, juste pour dire, moi, j'ai une autre, peut-être une interrogation, surtout comme je suis chef d'entreprise, donc j'ai toujours cette interrogation concernant la perte de revenus, surtout la production, que la femme reste toujours vulnérable, surtout celles qui ont des petites et très petites entreprises et qui, faute de déplacement, faute, puisqu'il y a ce confinement, donc il y a une réduction et perte des revenus. Et même, bien que le gouvernement essaye de faire de son mieux pour essayer de compenser un petit peu, ça reste toujours il y a un manque à gagner. Y a-t-il un moyen pour renforcer le travail communautaire pour qu'il y ait plus de sensibilisation? Vous avez bien dit tout à l'heure qu'il y a pour que by women, mais est-ce que franchement on sent que les femmes elles se mettent ensemble pour pouvoir construire une chaîne pour mieux vendre leurs produits, pour mieux faire leurs produits et puis inciter les gens à consommer localement? Bien. Je peux répondre? Ah non, allez-y. Oui, je voudrais dire que pour ce qui nous concerne dans le domaine de l'agriculture, donc de la production, dans le domaine de l'élevage, surtout le petit élevage, dans le domaine de l'aquaculture, etc., les femmes jouent un rôle essentiel dans la mobilisation des produits, dans leur distribution de proximité, dans leur distribution au niveau des marchés, etc., etc. Alors, mais ce qui est assez impressionnant au niveau du Sénégal, c'est le fait qu'il y ait des organisations de femmes, des plateformes de femmes et qui se soutiennent mutuellement et qui permettent, d'ailleurs quand j'avais dit que j'étais sur le terrain, c'était avec une association très dynamique de femmes, et quand nous sommes partis dans certaines localités, on s'est rendu compte de la vivacité de ces femmes-là qui travaillent ensemble, qui même louent des magasins pour stocker leurs produits et puis pour les évacuer, etc. Et je vais vous dire que pour les moyens et long terme, d'ailleurs, nous travaillons avec ces plateformes. Déjà au niveau de la digitalisation, même dans le panier de la ménagère, nous essayons d'innover de sorte que ce manque à gagner qu'il y a eu, que ces femmes-là puissent avoir suffisamment de marché, mais également les appuyer avec les intrants, avec les pratiques culturelles, avec la petite mécanisation pour leur permettre d'augmenter leur production et donc arriver à diminuer surtout les pertes qui a eu lieu pendant la COVID. La COVID n'est pas encore finie, mais nous avons déjà entamé des programmes post-COVID avec ces femmes-là qui ont commencé véritablement à produire.
Je voudrais m'arrêter là. Merci. Juste dire à Elhaj Mbaye, il nous est revenu, donc c'est un intervenant qui nous suit de très près. Il nous dit bien qu'il n'est pas contre l'approche genre, qu'il est prêt à en discuter avec nous. C'était la réaction qu'il avait faite après l'intervention du professeur Fall pour dire qu'il faut qu'on repense la réponse à la COVID en Afrique. Donc, on est bien d'accord avec Elhaj Mbaye, on se comprend mieux. Maintenant, sur la question de l'organisation des femmes, le Sénégal et dans tous les pays africains, au sud du Sahara, ont une tradition associative et d'organisation. Il a travaillé la FAO avec la FAO, qui est l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe au niveau sous-régional des femmes de différents pays sous différentes plateformes. Maintenant, il y a une question qui est là, elles produisent, etc. Mais c'est au niveau de la conservation, de l'écoulement, qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement à la hauteur ouais. des productions de ces femmes-là. C'est ça la grande question pour elles. Allez-y, oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Et donc, je tiens aussi à saluer donc, les initiatives de la FAO. La FAO est également un partenaire de la Banque africaine de développement. Pour le Sénégal, pour information, donc, nous avons des projets dans le domaine agricole, dans le cadre de grands programmes de chaînes de valeur et d'agropole. Nous avons des appuis pour la transformation des produits, des cultures des chaînes de valeur où les femmes sont majoritaires. Et donc, vraiment, je pense que ce serait intéressant. Donc, maintenant, je ne peux pas vous donner la liste, mais nous avons beaucoup de projets dans ce sens à travers le Sénégal. Parce que c'est vraiment le rôle des femmes dans l'agriculture est clé, surtout dans la question de la transformation. Et par rapport à cela, il y a une question sur laquelle nous travaillons, c'est la question de l'accès à l'énergie. Parce que si vous voulez transformer des produits agricoles, vous devez avoir de l'énergie. Et nous travaillons avec la CDAO en ce sens, donc au niveau des politiques, mais nous essayons aussi au niveau de nos opérations d'avoir des interventions en ce sens. Et juste pour information, tous nos projets doivent être, nous avons un système de catégorisation genre, c'est-à-dire que dans tous nos projets, nous devons intégrer le genre. Vous avez parlé de la question de l'accès aux prises de décision, donc c'est systématiquement tenu en compte l'accès aux ressources économiques. Parce que généralement, ce qui se passe, on fait un projet, on donne juste un petit pourcentage aux femmes pour, par exemple, les jardins maraîchers. Mais la banque, maintenant, essaye véritablement que la femme soit une actrice à part entière, c'est-à-dire qu'elle ait accès au marché, comme les hommes, en travaillant notamment avec la société civile et avec les gouvernements. Et je dois dire que le Sénégal est un modèle du genre. Merci. Merci. Bon, il nous reste cinq minutes pour clore cette session. On donnera on va donner le mot de fin à chacun des panélistes. Après, je vais faire un petit récap parce qu'on est obligé de respecter le timing qui nous a été alloué. S'il vous plaît, professeur. Oui, je voulais insister sur l'importance du marché intérieur comme cible principale de tout le travail de transformation des produits agricoles et alimentaires. Parce que la plupart des projets visent l'exportation. Or, le besoin d'alimenter le marché intérieur doit être la priorité, à mon avis. Parce qu'on constate que les ressources, le potentiel de ressources que nous avons est considérable. Mais aujourd'hui, ces ressources sont davantage exportées qu'elles ne permettent d'alimenter la consommation locale. Or, le niveau d'anémie est très, très, très élevé. La malnutrition progresse assez fortement et c'est utile de réinverser la tendance. Oui, les pôles, les agropôles ont un rôle important, mais ces agropôles sont davantage orientés vers l'exportation. Les projets qui doivent émerger doivent aussi s'orienter davantage vers les consommateurs locaux. Et ça, c'est la priorité des transformations des produits alimentaires, à mon avis. Je voudrais vraiment insister sur ce plaidoyer-là. Merci. Monsieur Robert Guy, donc c'est le mot de la fin, s'il vous plaît.
Je voudrais très rapidement dire que au niveau de la sécurité, l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et au niveau de la FAO, nous pensons qu'on ne peut pas parler de ces problématiques sans la femme. C'est impossible, surtout en Afrique. Nous connaissons tous le rôle que la femme joue. Malheureusement, les femmes n'ont toujours pas accès aux moyens de production, etc., que les hommes. Et au niveau de la FAO, nous faisons de ça aussi notre cheval de bataille, de sorte que dans toutes nos interventions, surtout pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, pour la fin zéro, nous mettons l'accent sur l'apport de la femme. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Et je voudrais vous remercier pour nous inviter. Merci. Merci beaucoup, Madame Gawenga. Le mot de la fin. Oui, très rapidement, je voulais aussi remercier donc les organisateurs et dire que pour la Banque africaine de développement, nous considérons donc la femme comme une actrice à part entière. Et donc pour ce faire, une des priorités de la nouvelle stratégie sera l'accès au financement et au marché, parce que la femme ne doit pas seulement produire, mais pouvoir écouler. Ces produits, non seulement sur, je voudrais apporter une petite correction, non seulement sur les au niveau régional et international, mais aussi également au niveau intérieur. Merci. Merci. Donc, je tiens à remercier les panélistes. Va à Madame au professeur Eva Baricol. Donc, féliciter tous les panélistes. Et remercier Eva Maricol pour cette opportunité qu'elle nous a offerte de participer à ce panel et la féliciter pour le bon travail qu'elle fait. Moi aussi, je tiens également à remercier Madame la ministre de la Santé, Madame la ministre de la Femme et de l'Enfance pour leur implication aussi efficacement, donc pour aider et mettre la femme au diapason de toutes les. De tout ce qui se passe donc au Sénégal. Je tiens à remercier aussi nos chers panélistes parce que c'était très enrichissant. Et ce que fait aussi le Sénégal pour aider la femme, il reste toujours le problème de l'implication de la femme, reste toujours un souci majeur pour nous, mais je vois qu'il y a de plus en plus prise de conscience que la femme doit être impliquée dans toutes les décisions. Le travail reste toujours à faire pour faire des études plus étendues, plus spécifique pour voir un petit peu le genre de la violence, l'implication de la femme, le manque de revenus des femmes. Donc, on a besoin de faire plus d'études, de faire plus de communication, d'associer la femme dans les prises de décisions. Aussi, penser qu'après la COVID, donc, il va y avoir aussi des répercussions économiques et sociales, et il faut aussi préparer la stratégie adéquate pour qu'il n'y ait pas beaucoup de chômeurs. Aussi, essayer de déplacer la femme du secteur informel au secteur formel pour que la femme soit aussi, qu'elle ait la protection sociale. Il faut qu'elle travaille dans le circuit organisé pour qu'elle assure et sa sécurité et qu'elle assure son avenir et l'avenir de sa famille. Il y a aussi moyen, il faut aussi, d'après tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que aussi le côté financier et l'implication et l'aide aux femmes, surtout les femmes vulnérables, les femmes qui ont des soucis financiers est très important, mais ça reste toujours, ce ne sont que des prémices pour aider. Le travail réel, ça sera après avoir fait une étude de conséquences de cette COVID, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à transformer, à changer pour que la femme ait accès au crédit, au financement. Et surtout, impliquer la femme, tout ce qui concerne la technologie, pour ce que nous avons besoin aujourd'hui, que la femme soit updated et qu'elle suit aussi l'évolution technologique, qu'elle utilise les moyens technologiques pour faire face, pour qu'elle soit au courant à l'instant T, et puis qu'elle utilise ces moyens technologiques pour mieux revaloriser ses produits, pour mieux vendre ses produits, et puis avoir plus d'informations et de communications. Le soutien aux femmes reste toujours une priorité pour et les organisations internationales et au gouvernement. La femme doit être soutenue, doit être impliquée, et puis donc il faut essayer de trouver d'autres moyens de financement, d'autres moyens d'assistance aux femmes, surtout donc je parle des femmes rurales, bien que il y a eu, là je tiens à signaler d'après les études ce qui a été dit aussi, qu'il y a une meilleure prise de conscience des conséquences donc de cette pandémie, qu'il y a aussi
meilleure prise de conscience quant aux gestes barrières des femmes. Peut-être elles sont plus impliquées, elles répondent plus favorablement à toutes ces recommandations, mais ça reste toujours un cas national. Il faut que les hommes et les femmes soient impliqués, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore les conséquences exactes. Et puis, pour dire, les femmes, comme le slogan que j'ai beaucoup aimé dame la ministre de l'Enfance, les femmes restent toujours, doivent être toujours au premier rang, elles font partie de la solution, et que par les femmes, qu'on saura changer un peu les mentalités et la société. Je vous remercie tous et toutes pour votre implication, pour cet échange assez enrichissant. Et je tiens aussi à remercier Madame Salimata Diop Ding pour cette chance qui m'a permis avec elle de co-présider ce panel. Merci à vous tous, et peut-être l'année prochaine, on va se voir physiquement à Dakar pour le prochain forum concernant les femmes et les femmes dans les forums des femmes leaders, et particulièrement dans les femmes dans les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, face à d'autres soucis, face à d'autres problèmes. Merci à vous tous et à vous toutes, et à bientôt. Merci.